Je suppose qu'il compte environ 30 ans. I guess he's about 30. Je suppose qu'il était malade. I suppose he was sick. J'avais 10 minutes de retard. I was 10 minutes late. Je vais devoir essayer cela. I'll have to try that. Je suis sur le point d'exploser. I'm about to explode. Je suis content de l'entendre. I'm glad to hear that. Je suis très fier de toi. I'm very proud of you. J'ai des nouvelles pour vous. I've got news for you. Il fait beau aujourd'hui. It's a nice day today. Ça fait longtemps. It's been a long time. C'est l'année 2017. It's the year of 2017. Continuez votre bon travail. Keep up the good work. Jolie journée, n'est-ce pas? Lovely day, isn't it? Ravi de vous rencontrer également. Nice to meet you, too. Aucun bruit n'a été entendu. Not a sound was heard. Donnez-moi une main. Please give me a hand. Certains d'entre eux sont à moi. Some of them are mine. Désolé, il n'est pas là. Sorry, he's not here. Celui de votre droite. The one on your right. Ce livre est au-dessus de moi. This book is above me. Nous sommes tellement fiers de vous. So C'est quel jour demain? What day is tomorrow? À quoi cela ressemble-t-il là-bas? What is it like there? Que fait-elle maintenant? What is she doing now? Qu'est-ce qui vous fait dire? What makes you say so? Quand sera-t-il prêt? When will it be ready? Qui sont ces gens? Who are those people? Qui s'est marié Steve? Who did Steve marry? Qui est responsable ici? Who is in charge here? Vous avez un bon goût. You have a good taste. Tu t'y habitueras. You'll get used to it. Êtes-vous prêt à commander? Are you ready to order? Plus de chance la prochaine fois. Better luck next time. Pourriez-vous le répéter? Could you say it again? Revenez, s'il vous plaît. Do come again, please. Ont-ils des enfants? Do they have children? Est-ce que tu es devenu meilleur maintenant? Do you feel better now? As-tu un ordinateur? Do you have a computer? Est-ce que ça vous dérange de fumer? Do you mind my smoking? Voulez-vous des fruits? Do you want some fruit? Ne le prenez pas compte. Don't take it to heart. Plus facile à dire qu'à faire. Easier said than done. Obtenez-moi mon manteau, s'il vous plaît. Get me my coat, please. Il a un fort accent. He has a strong accent. Il est né au Royaume-Uni. He was born in UK. Combien de temps dure la rue? How long is the street? Je ne me sens pas très bien. I don't feel very well. Je l'ai beaucoup apprécié. I enjoyed it very much. Je me suis précipité dans mon bureau. I hurried to my office. Je préfère les sushis à la pizza. I prefer sushi to pizza. Je ne le savais pas. I wasn't aware of that. Je serai plus prudent. I will be more careful. Je ne l'oublierai jamais. I will never forget it. Je serai juste avec vous. I'll be right with you. Je vais garder les yeux ouverts. I'll keep my eyes open. Je regarde juste. I'm just having a look. Je suis désolé d'entendre ça. I'm sorry to hear that. J'ai les mains pleines. I've got my hands full. Est-ce qu'il vient dîner? Is he coming to dinner? Est-ce une fille étudiante? Is that girl a student? C'est peut-être, je suppose. It might be, I suppose. Kate est plus intelligente que moi. Kate est smarter than I. Allons au but. Let's get to the point. Bonne conversation avec vous. Nice talking with you. Permettez-moi de les voir. Please let me see them. Elle a été à l'école. She has been to school. Le souper est prêt à 6 heures. Supper is ready at six. Merci tout de même. Thank you all the same. C'est ce que tu penses. That's what you think. La réunion est reportée. The meeting is put off. La rumeur n'avait aucune base. The rumor had no basis. Cette maison est allouée. This house is for rent. Qu'avez-vous décidé? What have you decided? À qui es-tu en train d'écrire? Who are you writing to? Tu peux le répéter. You can say that again. Vous avez le dernier mot. You have the final say. 12 divisé par 3 est égal à 4. 12 divided by 3 equals 4. Tous pour un, un pour tous. All for one, one for all. Êtes-vous le frère de John? Are you John's brother? Êtes-vous en train de regarder la TV? Are you watching TV now? Avez-vous des passions? Do you have any hobbies? Avez-vous des changements? Do you have some change? Demandez-lui de renvoyer mon appel. Have him return my call. Il a eu un mauvais mal de tête. He's got a bad headache. Quelle largeur est ce pont? How wide is this bridge? Je ne pourrais pas être plus sûr. I couldn't be more sure. J'aime le meilleur temps. I like hot weather best. Je rencontre le patron lui-même. I meet the boss himself. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. I never liked it anyway. Je me lève habituellement tôt. I usually wake up early. Je travaille dur toute la matinée. I work hard all morning. Je ne vous pardonnerai jamais. I'll never forgive you. Je vais vous traiter au dîner. I'll treat you to dinner. Je porterai ma robe bleue. I'll wear my blue dress. Je suis heureux que vous l'ayez appréciée. I'm glad you enjoyed it. Cela peut arriver à n'importe qui. It can happen to anyone ce n'est pas grave pour moi. it doesn't matter to me. il ne faudra pas beaucoup de temps. it won't take much time. esprons le meilleur. let's hope for the best. occupe toi de tes oignons. mind your own business. veuillez me montrer le menu. please show me the menu. Merci de vous rencontrer. Very pleased to meet you.